Ces personnes sont-elles des géants, Bob? Non, Scoop, ce sont des architectes. Oh, quel dommage! C'est quoi un architecte? Un architecte est une personne qui dessine les bâtiments avant leur construction. Elle en fait des maquettes ou des plans. De cette manière, quand des constructeurs comme nous arrivent sur un chantier, ils savent quoi faire grâce à ces plans. Chouette! Je vais devenir architecte et dessiner mon propre garage. Il y aura un toit ouvrant, une salle de jeu et il fera 10 étages. On a un gros problème, Bob! On doit se laver aujourd'hui, mais il y a une fuite! On ne peut pas vous laisser comme ça, vous êtes tout sale. Je ferais mieux d'appeler un plombier. C'est quoi un plombier? C'est un ouvrier qui connaît tous des tuyaux et des robinets, dans les éviers et les toilettes. Voilà, le tour est joué. Tu es prêt pour ton bain? Il reste un dernier problème, Bob. Ben a perdu son canard en plastique. Encore? Wow, Bob! Le jardin de Monsieur Bentley est très joli. Il doit avoir un excellent paysagiste. Un quoi? Un jardinier paysagiste. C'est quelqu'un qui travaille dans un jardin, ou simplement en extérieur, pour le rendre plus intéressant et plus joli. C'est la personne qui a semé le beau gazon de Monsieur Bentley? Oui. Et qui a planté son parterre de tulipes? Tout à fait. Et qui taille ses haies? Absolument. Mais attends un peu. Comment connais-tu si bien le jardin de Monsieur Bentley? Oh, parce que j'ai dû le traverser pour récupérer mon ballon de football! Scoop! Tu peux construire un nichoir pour la mouette, s'il te plaît? Bien sûr, Scoop. Aujourd'hui, tu peux m'appeler Bob le charpentier. D'accord. Mais c'est quoi un charpentier? C'est un ouvrier qui se sert du bois pour construire des maisons, des terrasses, des ponts ou des bateaux. En un mot, tout ce qui est fait de bois. Super! On peut construire le nichoir maintenant? Il est génial, Bob. Il reste un petit problème. Le bruit de la perceuse a effrayé la mouette. Elle est partie. Reviens, reviens la mouette. Oh, reviens!